Et bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, bah jeudi, hein, pour un petit épisode sur Farming 15. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être lancer. Qu'est-ce que tu nous fais? Voilà, ça y est, c'est parti. Donc du coup, normalement il n'y a pas de souci avec le course play cette fois-ci. Donc là, c'est parti. Donc j'ai mis là-dessus, mais normalement là, tu dois être quelque part. Bah il est là-bas, au niveau de l'arbre là-bas. Là on va ramasser donc l'orge que j'ai sur ce champ. On va essayer d'avancer toujours et puis après on verra. Entre-temps, ce que je peux faire aussi, c'est peut-être aller. Je vais aller chercher le. Comment on appelle ça? Le. Celui-ci. Avec le déchaumeur. Quoique, après on se fait quoi? Parce que là, on peut se faire que je peux faire que de la betterave, du blé, du colza, de l'orge et de la pomme de terre. Donc la prochaine fois, ce sera de la pomme de terre. Peut-être allumer mes feux aussi. Aïe. Donc du coup, là, il faut que je déchaume avant. Alors, le déchaumeur, c'est celui-là. Voilà. Donc les petits gyros. Donc je vais aller en celui-ci en haut. En attendant, là ils vont se gérer tout seuls. Hein. Et puis une fois que taille, taille, taille. Hop. Faut pas aller trop vite. Hein. Sinon, ben, ça fait ça. Alors, des chemins 138. Juste préparer celui-là. Et puis, c'est tout. Alors, je ne sais pas du tout où on est. J'espère que ceci ne va pas me gêner non plus. Alors là, je vais juste enlever ça. Merde, là, ça va avancer tout seul. Hein. Je vais juste enlever.
L'engin de paille, de toute manière, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ah merde. Ah, ça va rester. Bah écoutez, tant pis. Hein. Je le laisse là et on verra ça après. Mais pour l'instant, ou alors je le fais tout seul. Parce que là, ils n'ont pas encore terminé. Hein. Remarque, je peux le faire tout seul. Hein. Et puis, dès qu'on aura. Dès que ça sera bien avancé, ben, je le mettrai. Alors, c'est quand qu'il va les lever? Donc, quand l'autre sera arrivé, on verra plus le coup. On va attendre un peu. On va devoir attendre un petit peu. Mais non, maintenant ça va. Le course play se gère pas mal, donc ça va. Logiquement, la remorque va aller à côté de la moissonneuse. Voilà. Du coup, je vais pouvoir faire ça. Et puis, ça sera bon. Allez. Hop. Et voilà. On repart. Attention, le tracteur revient. Hop. Je vais juste attendre que celle-ci. Ah, que la taille. Que les deux finissent le champ et puis après on ira les amener sur l'autre champ, comme ça ce sera fait. Alors on a déjà quasiment fait la moitié du champ, ça veut dire que c'est pas mal, mais je crois que ça pourrit les vandales si on les ramasse pas tout de suite. Bon, je vais attendre un peu encore.
On va attendre tout simplement que la machine ait avancé un peu plus. Et puis après, ça sera bon. Surtout avec mer là, tu vas me bloquer, donc je peux pas trop avancer. On va attendre un petit peu. Alors, 45. Donc là, elle est à 50% bientôt. Allez, hop, c'est parti. On redescend ça et puis on y va. Ah, c'est vrai qu'il va attendre que l'autre ait fini son demi-tour. Ah, c'est bien ça, ça avance, c'est pas mal déjà. Donc après, je le laisserai ce tracteur finir tout seul et puis on ira amener à la moissonneuse et les remorques au niveau du champ 24. Donc là c'est bon, normalement comment il va se mettre là? J'espère juste qu'il va pas bloquer la machine. Non, c'est bon. Et donc prochaine récolte sera de la pomme de terre. Donc ça veut dire que la prochaine fois on sèmera de la pomme de terre, donc c'est pour ça que je déchomme. Et je crois que je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Là, je vais être encore bloqué moi. Donc on va devoir attendre encore un peu. Il faut bien que je fasse quelque chose maintenant. Moi, je vais couper celui-ci. Alors, elle en est où? Je fais quoi au niveau du volume, moi? Ça va. D'accord, on a quasiment fini le champ, ça c'est bien ça. Et du coup, je vais pouvoir. Je vais peut-être faire une petite ellipse. Et puis après, je reviendrai là-dessus. Du coup, on va se dire à tout à l'heure. Allez, bah, à tout de suite. Après une petite ellipse et puis je reviens. Allez, à tout de suite.
Et donc, ben, on se retrouve après cette petite ellipse, cette petite coupure, pour la suite donc, de la moisson de l'orge. Donc là, on finit ça. Donc après, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Merde, il va être bloqué. Je vais les laisser là. Non, il va attendre que l'autre fasse le tour. Ok. Donc, je peux éteindre celui-ci. Voilà. Donc du coup, donc je finis, on finit ça et après on va sur l'autre champ. Donc après il ne reste plus qu'à faire le champ 20, bah 24, 29 là. L'un des plus grands champs maintenant en ce moment. Puis après il ne restera plus qu'à déchaumer, à finir le déchaumage de ce champ. Je pense que la première remarque va être pleine ici. Quand on arrivera à 50%, c'est que c'est la moitié des deux. Donc déjà. La première est quasiment remplie. Bah la première est remplie déjà. J'ai toujours la crème. J'espère que ce sera terminé pour la semaine prochaine. Donc là du coup, on va aller se remettre ailleurs et puis la moissonneuse va repartir pour la fin, pour ce qui reste à faire. Voilà. Normalement, il n'y a pas de, y a plus trop d'erreurs alors je peux faire tout seul aussi. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je vais finir ça et puis après. Supprimer celui-là et on va prendre la moisson du champ 24. Le temps que ça se finisse, il ne reste pas grand chose à faire donc ça va. Allez hop. Ah. J'aurais pu faire aussi, c'est d'envoyer l'autre directement sur l'autre champ. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donc déjà je finis ce qui reste là, je vide ce que je peux, bah, je vide ce qui restera dans la tribu, dans la remorque, et puis après on ira vider, on enverra la. Remorque une fois que j'aurai emmené la moissonneuse, ou alors j'envoie déjà la remorque, on verra. Voilà, donc ça c'est fini. Donc,
Là déjà on peut déjà arrêter la moissonneuse. On vide. Hop, on replie. Je pense que je vais aller envoyer des RTG là-bas. Ou alors, il faut mieux que j'envoie l'autre parce que je suis en train de me dire un truc. Faut mieux que j'envoie celle-ci. Ouais, elle est qu'à 58%. Par contre, moi, ce que je veux, c'est la bonne machine. 24. On va passer à travers chance, ça va pas être. Ça va être chiant en ce moment. Donc j'emmène celle-ci et la moissonneuse jusqu'au champ en bas de la ferme. Donc celui-ci, bah, je peux mettre en démarrage. Quoi? Ah oui, mais normal de bloquer avec. Hop. Donc on va le mettre là-bas et puis je vais aller chercher donc la moissonneuse qu'on va amener jusqu'au champ là-bas, jusqu'au champ près de la ferme. Et donc quand je serai assez d'argent, bah, je m'achèterai peut-être de quoi couper les arbres qui sont près de la ben, près du grand champ 30 là. Donc à savoir que moi j'ai aussi le mode en fait qui permet de couper les clignotants, mais ça marche uniquement que si on a un volant ou une manette, je crois. Ça ne marche pas avec le clavier quoi. Elle commence à se salir un peu quand même ça. Il n'y a que ça comme là encore. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un tour sur les sites de mode pour voir s'il n'y avait pas des nouvelles machines ou des trucs comme ça. Je verrai ça plus tard. Mon Dieu. Ah, qu'est-ce que c'est chiant quand on tousse comme ça. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste déplier la machine. Aïe. Donc, on va tout simplement. Alors, je vais commencer par mettre un coup de. Un premier coup là. Hop, et ensuite on va démarrer. Donc ça c'est parti. Je pense que l'autre va me gêner. Je vais peut-être. Je vais laisser passer l'autre. Parce que sinon on va la gêner avec celui-là. Bon, maintenant que le course paix marche comme il faut, c'est bon aussi. Bon, l'autre à l'avance tranquillement. Moi je vais prendre celui-ci.
Je vais mettre la course. Alors, je sais pas du tout si je suis bien placé. Tout même. Par contre, ce que je vais faire. C'est dans quel sens que je vais mettre. Si, d'accord, c'est sûr, ok. Hop, donc on va se mettre comme ça. Qu'est-ce que je fais? Oui, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est parti. Donc du coup... Ah bah non, ça va pas. Bah non, ça va pas du tout, ça. Donc on va... ouais, on va faire ça qui manque un peu. Bon. Elle va pas rester bloquée tout le temps. Hein. Comme elle avance pas, elle va tout de suite se remettre là. Voilà. L'autre va venir la vider. Pardon. Je me foutu. Donc du coup, il y aura peut-être pas de multi demain. On verra. Merci. On n'aura peut-être pas tout le temps quoi. Voilà, donc ça c'est bon. Donc la moisson nous est vidée. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Ah, elle a oublié ça. Bon, c'est pas grave. Je le prendrai après. Ah, c'est cool. C'est ça le petit bout là. C'est quoi ce. Pourquoi le lieu tout seul? Voilà. Hop. Allez, c'est reparti. Donc du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, tant que la remorque n'est pas pleine à 90%, elle n'ira pas se vider. Car à mon avis, sur ce champ, elle risque d'être pleine. Pour l'instant, il n'y a pas de fort demande, mais dès qu'il y en a une, j'en profiterai pour aller fondre. Par exemple, s'il y a de l'orge en fort demande, du colza ou du blé ou de la betterave, et ben on ira vendre. Qu'est-ce que tu as?
Pourquoi elle a pas fait ça? Oula. Petit souci. Bon, je passais moi-même. Hop. Bon. C'est bon. Très bien. Par contre, je suis peut-être tombé. Le début et la fin. C'est intelligent ce qu'ils ont fait pour ça. Alors en fait c'est les deux options pour ouvrir le course play, soit on fait par droit, soit par contrôle gauche plus supprimer. Moi je préfère ça. Afficher le texte. Alors ça c'est grande carte, non, logiquement on sait que en fait ça met les courses, le nom des courses en fait. Voilà, mais bon, ça c'est... Ça prend trop de place. Alors, oh merde. Donc du coup, excusez-moi pour cette petite toute petite coupure, mais malheureusement c'est la fin aussi de l'épisode. Donc on se retrouve du coup demain matin pour la suite de la carrière, ainsi que la moisson et le déchômage du grand de la suite du travail dans les champs, hein. Donc on se dit à demain. Allez, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Donc on se dit à demain et ciao ciao.